السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم جميعا ايها المتابعين الافاضل اينما كنتم حرصا منا على مساعده التلاميذ وعلى مساعده ايضا اوليائهم الذين يحرصون على تحضيرهم للاختبارات فهي على الابواب طبعا وايضا على مساعده الاساتذه الافاضل في تحضير مواضيع الامتحانات في À diffuser des devoirs et des compositions, pardon. Et comme d'habitude, je vais vous laisser le lien pour télécharger le sujet dans la boîte de description, bien sûr. C'est pour réviser ou bien pour préparer. Et pour les enseignants, ils peuvent l'adapter selon les besoins de leurs apprenants. On commence. Le marathon. Le marathon est une épreuve sportive individuelle de course à pied qui se pratique généralement sur une route d'une distance d'environ 42 km. Yani, le, marathon le marathon possède plusieurs bienfaits. Les bienfaits sont les yani, Le marathon a D'abord, il augmente la motivation personnelle de courir. Ensuite, le fait d'être à plaisir, يعني فقط عندما نكون مش موع, incite à créer la concurrence positive, يعني يخلق نوع يخلق نوع من المنافسة, يعني يخلق نوع من المنافسة الإيجابية, c'est-à-dire renforcer l'esprit sportif du coureur, يعني قويروح il Enfin, courir ensemble à longue distance sert à constituer des relations sociales avec des personnes qui partagent la même passion. Le marathon est très utile, car il permet d'avoir un bon état psychique, ou bien physique et psychique. يعني يساهم في تحسين المزاج والبدن. اون فا باسي ميتنو كيسيون. كومبريانسيون دو ليكري. هنا انصح التلاميذ او عفوا انصح الاساتذه الذين يعدون المواضع في هذا الجزء بالتركيز على الاسئله من هذا النوع. اختر الاجابه الصحيحه، سطر على الاجابه الصحيحه، لي كيستيون دو فغي فو etc. لانها طريقه عالميه. واعتمد في امتحانات ديلف دالف ديف دالف يعني يعرف هذا الطلب الذين يريدون أن يواصلوا دراساتهم في الخارج وهي طريقة أيضا ينصح بها المفتشون كثيرا في إعداد المواضيع On commence. Soulignez la bonne réponse pour chacune des trois questions suivantes. La première, la deuxième et la troisième. Pour ces trois questions, pour ces trois questions, on va souligner la bonne réponse. Et, et on doit lire le texte, bien sûr. Pour répondre à ces questions, le type de ce texte est narratif, explicatif ou bien descriptif. Sans réfléchir, on va choisir cette réponse. On va souligner c'est euh, explicatif, bien sûr. Pourquoi Le premier et le deuxième projet, ça veut dire les trois premières séquences du premier projet les deux séquences du deuxième projet. Kulhua, des textes, des textes explicatifs. Le type explicatif, l'auteur explique. On explique ce que c'est le marathon. Deuxième question, le marathon est un sport individuel ou bien collectif? La réponse est là. un sport ou bien une épreuve sportive individuelle. Donc on va choisir cette réponse. individuelle, on va souligner. Bien sûr. Troisième question, l'auteur parle dans le deuxième paragraphe. On cherche d'abord le deuxième paragraphe. Ça commence par le marathon. C'est ça le deuxième paragraphe. Il y a des alignés, ce qu'on appelle alignés. Il yani y a cet espace. Donc, l'auteur parle dans le deuxième paragraphe de quoi Des avantages du marathon ou bien des dangers du marathon ça n'existe pas. Le marathon, c'est un sport. Donc, on va choisir cette réponse. Les avantages du marathon, ça c'est la réponse. Les avantages synonymes, on peut dire que c'est les bienfaits. Parce que ici, ils ont dit les bienfaits. Les bienfaits, les m'a Les avantages, elle m'a Réponds pas vrai ou faux, toujours on vérifie dans le texte. Réponds pas vrai ou faux. Ça va, on ou la n'a Si on on Sinon, si euh, ce n'est pas le cas, on va choisir ou bien on va dire plutôt faux. La distance du marathon fait environ 4 km. On cherche dans le texte. Fait environ 4 km. Ici, vous avez 42 km. Donc, on va dire que c'est faux. Deuxième phrase le marathon est très bénéfique pour notre santé. Bénéfique, il y a Bien sûr que c'est vrai. La troisième phrase le marathon se pratique dans une salle de sport fermée. C'est faux. Donc, on va écrire faux. Pourquoi c'est faux parce que le, le marathon se pratique généralement sur une route d'une une relève relève du تحدثنا عن هذا السؤال ديفينيسيون تعريف اذا كنا نتحدث عن رياضه ما استخرج تعريف اذا كنا تعريف الرياضه اذا كنا نتحدث عن وسيله نقل مثلا استخرج تعريف وسيله نقل وهكذا امر يتعلق بالتكنولوجيا Donc, on va chercher dans le texte définition de, par exemple, le mot marathon. C'est quoi marathon C'est une épreuve sportive individuelle de course à pied qui se pratique généralement sur une route d'une distance d'environ 42 km. C'est ça la définition. on a on va faire copier-coller. Ici, c'est ça la définition. Ensuite, 6. Complète cette phrase avec les connecteurs d'énumération suivants. Les connecteurs d'énumération suivants. Enfin, d'abord, ensuite. Étire-toi. Toujours on commence par le connecteur. D'abord, toujours, et d'abord, c'est ça, sans réfléchir. Et ici, vous avez une virgule, ça veut dire, là, là, vous mettez le deuxième connecteur, ici, vous mettez le troisième. Donc, on va dire, échauffe-toi. Ensuite, ensuite, virgule. Et enfin, c'est toujours à la fin. Enfin, c'est toujours à la fin. Toujours, toujours, toujours. Parfois, vous avez ici euh, le mot puis, c'est presque le même sens. Ensuite, puis, c'est presque le même sens. 7. Souligner la proposition relative puis encadre son antécédent. On va souligner la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative commence par ce mot qui ça on l'appelle pronom relatif. Hadl hadl kalima, nous sommes misra pronom relatif. Misra t'abde la proposition. il y a jib an la Proposition subordonnée relative est une phrase. Y'a ni jumla une jumla. Et le pronom relatif est hadl kalima. Hadl la proposition <subordonnée> relative. Proposition, on va, on va écrire subordonnée relative. Donc ça commence par ce mot qui se pratique sur une route d'une distance d'environ 42 km. On va souligner. Donc, c'est ça. L'antécédent, il calima dire le mot qui a été ajouté à cette sentence pour la définition, la ou C'est ou yani quoi le marathon Le marathon est un sport. Quel sport Quel type de sport

auquel on apporte une information supplémentaire. Et cette information supplémentaire est apportée par la proposition subordonnée relative. Ou bien on peut dire autrement, la proposition subordonnée relative est une proposition, ou bien une phrase qui sert à rajouter une information sur un mot. Ce mot on l'appelle l'antécédent. Yani, met le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. La conjugaison, c'est une question d'apprentissage. Il faut, c'est euh, une question de pratique. Yani Par exemple, être et avoir c'est la base. Être et avoir au présent de l'indicatif parce que c'est très très Utile et c'est très nécessaire, c'est très important. Dans la première séquence du premier projet, vous avez fait les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Deuxième séquence, les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Troisième séquence, les verbes, troisième verbe, euh, les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Yani, de au présent de l'indicatif, Et donc, le, les, les verbes du premier et du deuxième, la de parce que c'est les mêmes terminaisons, c'est le même radical, ça ne change pas pour les verbes du premier et les verbes du deuxième. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers à maintenant être et avoir, le verbe faire, etc. Bon, on va dire, les activités physiques sont bénéfiques ou bien très bénéfiques pour la santé, pour la santé. C'est ça la réponse. Neuf. Complète la phrase suivante avec les signes de ponctuation qui conviennent. C'est quoi les signes de ponctuation C'est le point, la virgule, les deux points, le point virgule, etc. Samy dit. Après les verbes de parole, on va mettre on met deux points. Après, ouvrez les guillemets, guillemets comme ça. Je pratique du sport pour rester en bonne santé. Après, on met à la fin bien sûr un point et on ferme les guillemets. Donc, on va dire Samy dit. Je pratique du sport pour rester en bonne santé. Donc on a fini avec la partie compréhension de l'écrit et les points de langue. On va passer maintenant à la deuxième partie. Production écrite. Sujet. Avec le développement des moyens de transport, les gens ne pratiquent plus la marche. Tu expliques à tes parents les bienfaits de cette activité physique. Il y a la marche, al-mesh. Et vous avez des mots qui, euh, qui sont très utiles, qui vous aident à rédiger la production. Il y a des les moussiens euh, Donc vous avez des noms, des verbes, des et des adjectifs. adjectifs marche, non, ]ha. la marche, randonnée, randonnée hmm. corps, respiration, souplesse, rythme, stress, activité, etc. Pour les verbes, vous avez marcher, se promener, tenez marcher, régler, améliorer, tassiner, diminuer, permettre, spermer, etc.

Rédaction possible, les bienfaits de la marche. On commence par une définition, comme d'habitude, de la, la, la marche est une activité bénéfique pour le corps. On peut parfois poser une question à laquelle on répond dans la deuxième partie. D'abord, la marche diminue le stress et le risque de dépression. Ensuite, marcher améliore le rythme cardiaque et la capacité respiratoire. Enfin, cette activité permet d'avoir un corps souple et sain. هذا الرياضه يعني هذا النشاط الرياضي والذي يتمثل في المشي يسمح ب يعني امتلاك جسم مرن وصحي طبعا اذا هذه هي لا كريت سوف أتركها لكم في التعليق واترك لكم ايضا رابط تحميل الموضوع كما اخبرتكم للمراجعه لاحقا اتمنى لجميع التنمية حظا موفقا في الاختبارات ان شاء الله نلتقي في حصه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته